S'il y a bien un truc que vous kiffez, c'est les recettes de pâtes. Du coup, je t'en propose une nouvelle aujourd'hui. Tu vas voir, c'est une pure dinguerie. Je te fais ça aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, tu auras besoin de prendre un oignon. Tout d'abord, tu vas le couper en deux et ensuite, tu vas l'émincer finement, comme moi dans la vidéo. Pour l'étape suivante, tu auras besoin de prendre une poêle dans laquelle tu vas venir mettre de l'huile d'olive. Et alors là, rien de plus simple, tu vas faire revenir tes oignons directement dedans. Pour cette recette de pâte, on va utiliser un bloc de viande hachée. Tu le mets dans ta poêle avec tes oignons et tu l'écrases avec une cuillère. Bien évidemment, t'oublies pas de saler et bien poivrer tout ça. Dès que ta viande hachée est cuite, tu vas pouvoir mettre deux bonnes cuillères à soupe de concentré de tomate avec une cuillère à soupe de crème fraîche. Là, t'essayes de mélanger comme tu peux pour répartir toute la sauce. Maintenant, on va venir ajouter une bonne quantité de coulis de tomate. Là, je te conseille d'aller doucement pour mélanger. Moi, j'ai failli me tâcher une nouvelle fois. Pendant que c'est tranquillement en train de mijoter dans une casserole, tu vas venir mettre un peu de sel et de l'huile d'olive. Enfin, dès que ton eau arrive à ébullition, tu vas pouvoir plonger tes spaghettis. Petite astuce pour rendre ta sauce encore plus onctueuse, tu vas récupérer une louche d'eau de cuisson de tes pâtes. Enfin, j'ajoute également une bonne quantité de basilic et je mélange bien toute ma préparation. Là, mes spaghettis sont prêtes, je vais pouvoir les sortir et les égoutter. Enfin, il te reste plus qu'à les mettre dans ta sauce avec ta viande hachée. T'as plus qu'à mélanger la sauce avec tes pâtes et t'as plus qu'à déguster. Et alors là, je suis sûr d'une chose.